Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Echo. Donc, Echo, c'est une marque un peu que j'ai découvre puisque donc, ils ont déjà fait d'autres téléphones, mais je m'étais pas plus intéressé que ça. Et là, j'étais invité pour donc la sortie des nouveaux Echo, les Echo Horizon et Echo Horizon Lite. Donc, comment aborder ce sujet? Alors, c'est des téléphones, en fait, donc c'est deux téléphones qui sont tous les deux en 5.7 pouces HD+, donc en gros, parce que c'est du 18/9e. Comme le Suite, comme le iPhone X maintenant, comme le LG G6, donc c'est-à-dire beaucoup plus dans la longueur. Donc c'est des nouveaux formats qui commencent à se répandre aussi dans le bas de gamme, puisque les moules sont faits, les écrans sont faits. Wiko avait déjà fait de l'annonce à l'IFA de ces nouveaux appareils en 18/9e, Echo s'y met aussi, mais avec, en tout cas c'est ce qui nous montre là, avec un tarif plus agressif. On a un écran donc HD+, 5.7 pour les deux. On a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire pour le Echo Horizon. Un MT6750T, donc version turbo, donc qui est un peu mieux, surtout sur la partie graphique, qui est vraiment boostée. Nous avons que l'USB type normal. Alors apparemment, d'après le chef produit, justement, c'est qu'ils voulaient l'intégrer. Et ils n'ont pas pu parce qu'en fait, au niveau de la carte mère, ils n'avaient pas assez de place. Donc, malheureusement, il est que sur le Echo Horizon Lite, donc ça fait un peu bizarre. Nous avons toujours donc du dual SIM ou SIM plus carte SD. Il y a une batterie de 3000 mAh, il fait 4G+. Il est sous Android 7.0. Il a un jack. Et voilà. C'est un smartphone qui, en plus de ça, en termes de photo, il a un double capteur. Alors, c'est un 13 plus 2 mégapixels, forcément, à 169 €. On est sur un prix qui devient forcément, bah, au niveau des capteurs photo, c'est là où ça devient très compliqué. Et sur le Horizon Lite, on a juste un capteur simple. Et on a quand même un lecteur d'empreintes. Alors, sachant que au niveau des produits, on a eu des prototypes. Alors là, pour le coup, je peux vous assurer que quand il vous parle de prototypes, vous le voyez. Ce qui fait qu'apparemment, ça a été assemblé main. Ça se voit en fait que c'est prototype parce que au niveau de l'assemblage, on sent que c'est un peu plus... artisanal. On voit des petites choses par-ci par-là, donc ce qui fait que ça donne pas un bon rendu du produit. La qualité du tactile n'était pas bonne, etc. Donc ce qui fait que c'était plus en termes de visuel qu'on pouvait se rendre compte de quelque chose, mais c'était très loin de l'expérience finale. Ils vont sortir normalement en octobre, donc il faudra voir fin septembre normalement, enfin fin octobre pardon, pour l'avoir en test. Je sais pas si je l'aurai en test. Mais pourquoi pas. Ce qui fait que voilà, donc en fait déjà ce qu'il y a, alors on sent que la communication, il n'y avait pas forcément grand chose à dire sur ce téléphone. Il y a un renouvellement à faire et il s'attaque donc au 18/9e qui va l'appeler le format panorama. C'est comme ça qu'ils veulent l'appeler, c'est comme ça qu'ils vont communiquer. J'ai oublié de dire, le Echo Horizon Lite sera vendu 129 €. Donc ce qui fait que au niveau du prix, c'est extrêmement agressif. On a quelque chose qui, je trouve, est plus agressif que Wiko, où là, les Wiko View Prime sont à peu près aussi intéressants que ceux-là, que ces Echo-là. Donc, ce qui fait qu'en termes de prix, on a quelque chose de très, très agressif, sachant que les Wiko sont à plus de 200 €. Le plus bas est à peu près équivalent, ça doit être 150, j'ai plus en tête exactement, mais on a quelque chose de très agressif du côté de chez Echo. Alors, de ce que je comprends, ça a été designé quand même par des Français, je suis pas sûr, mais de ce que j'ai compris et de ce que ça avait l'air de vouloir dire, c'est vraiment designé par des Français, etc. Ils connaissaient bien leur sujet, donc ça, c'était quand même sympa. Et l'idée, c'était vraiment, pour le coup, un tarif très agressif. En même temps, à 169 € avec un MT6750, en fait, moi, ce qui me dérange le plus, j'aurais préféré peut-être quelque chose, et en fait, ils nous disaient qu'en fait, ils sont articulés autour d'un budget 250 € pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'au-delà de 250 €, les acteurs, les consommateurs n'achètent plus. En tout cas, beaucoup moins. C'est pas assez intéressant pour eux. Donc, ils ont fait un truc à 169, l'autre à 129, pour être autour de ces 150 et pouvoir toucher un maximum de monde et être le plus agressif possible en fait sur cette partie-là et en fait vendre en fait en gros pour le consommateur vraiment très lambda un S8 beaucoup moins cher. En gros, c'est ça l'idée. Derrière, il n'y a pas de choses mises en particulier. On a un design qui est quand même un petit peu assez sympa. Je trouve que, enfin, pour le prix, c'est quand même pas trop mal. Alors, on est sur du tout plastique,
mais c'est passable. Après, le fait que ce soit tout plastique, moi ça me dérange pas en soi, et pour le prix, c'est aussi assez normal. Par contre, alors après, il faudra voir sur la version finale, il semblait quand même assez fragile dans le sens où à peine on appuyait au dos que l'écran avait tendance en fait à appuyer sur la dalle en verre, en fait, enfin, la dalle tactile. Alors comme c'est un prototype, forcément c'est pas forcément les versions finales, mais ça fait à voir. Après on est sur une entrée de gamme toujours. Après le truc c'est que au vu de ce que c'est, au vu de ce qu'on trouve aujourd'hui, on a des Honor etc. qui ont des dalles Full HD, sont peut-être un peu mieux, mais qui ont cette différence d'avoir qui sont moins borderless, parce que là ils prennent 80% d'espace. Ça a l'air d'être plutôt le cas hein, quand on prend le téléphone en main. C'est vrai que le côté un peu bordel, c'est quand même assez présent. On sent qu'il n'y a pas trop de bord. Je pense que ça coûte beaucoup. Le problème pour moi au final dans ces téléphones, c'est surtout en fait du 5,7 pouces en HD. Ça fait grand pour pas beaucoup de pixels au final. Parce que bah, aujourd'hui, surtout que autant pour la version à 130€, ok. Autant pour la version à 169, c'est un peu limite. À la limite, j'aurais préféré quelque chose de plus petit, j'aurais préféré quelque chose en 5,2 pouces. Là, ils ont vendu le truc comme un 5,7 qui entre dans un 5,2. Bon, ça, c'est toujours un petit peu exagéré en général. Après, ce serait bien de vérifier, j'avais rien en 5,2 sur moi. Mais du 5,2 en 5,7, à ce prix-là, ça me paraît un petit peu abusé là-dessus. Au final, que dire de ces téléphones? Ces téléphones qui peuvent être intéressants. Après, il faut voir la qualité derrière. Il faut voir la qualité globale. Il faut voir la qualité de l'optimisation du produit, de la photo. Parce que bon, c'est bien d'avoir une double caméra, mais si au final, ça sert à rien parce que la caméra est trop mauvaise, c'est vraiment dire, bon, j'ai une double caméra, mais ça sert à rien. Donc, ce qui fait que je suis très intrigué pour savoir qu'est-ce que ça va donner. Je suis un peu dubitatif aussi, je suis pas totalement convaincu du produit, mais ça reste à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces nouveaux Eco Horizon, de ce que vous voyez au niveau des plans, etc. Parce que ce serait intéressant d'avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez que le format panorama est plus important qu'autre chose aujourd'hui sur le marché entrée de gamme? Est-ce que vous voyez un prix à 169€? Est-ce que vous voyez vraiment quelque chose qui a un intérêt? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont leur place ou au contraire ils ont l'air complètement inutiles? Donc n'hésitez pas à me dire ça et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur Technoïde.